Bonjour tout le monde, ici Claudine Michaud pour le blog Départ Nature. Cette vidéo est dans le cadre de mon défi, une vidéo par jour pour tout le mois d'août. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui est très naturel et dans le processus normal, les cheveux blancs. Oui, alors ça fait 2 ans que que je décolore mes cheveux, le bas de mes cheveux en blond. Pas pour cacher mes cheveux blancs, mais bien pour attirer l'attention ailleurs. Et ça fonctionne. Quand je dis aux gens que ah, j'ai beaucoup de cheveux blancs, ils disent ah oh, ouais, oh, j'avais pas vu. Ben oui, il y en a beaucoup des cheveux blancs. Ils commencent à en avoir beaucoup, puis sont cachés un peu en attirant l'attention ailleurs. Mais il y en a beaucoup. Fait que là, j'étais en conflit interne important avec mes cheveux blancs, à savoir si je ne vais pas me faire de teinture chimique, ça c'est sûr et certain, de toute façon c'est chimique, tous les produits qu'il y a là-dedans, j'ai pas envie de mettre ça, la repousse et tout, bla. C'est un non catégorique. Je suis comme un peu en période de transition, d'accepter mes cheveux blancs à travers les cheveux noirs, parce que vu qu'ils sont noirs, ça paraît vraiment beaucoup, mes cheveux sont noirs naturels comme ça. Alors, j'ai pensé au henné, me faire des hennés noirs. Mais en fait, ça cacherait mes cheveux blancs au complet. Fait que j'ai pas encore pris de décision très importante là-dessus aujourd'hui. Mais je voulais vous en faire part parce que les cheveux blancs, je trouve ça dommage aussi en même temps qu'il y a eu beaucoup de gens qui cherchent à tout prix à cacher leurs cheveux blancs. Personnellement, je trouve ça très beau, une femme plus âgée qui porte fièrement ses cheveux gris. Je trouve ça très beau. Une femme avec les cheveux tout blancs. Je trouve ça très beau aussi. Je trouve que ça a un petit côté. J'assume mon corps, j'assume ma vie. Ça fait partie de la vie, puis c'est comme ça. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais aussi, dans le futur, assumer une tête blanche, assumer mes cheveux. Fait que je suis présentement en conflit avec mes cheveux qui poussent. Alors, pour avoir une capsule très instructive aujourd'hui sur les cheveux blancs et la possibilité de faire des hennés, je sais qu'il y a des salons de coiffure qui existent, qui utilisent que des produits naturels et qui font des teintures aux hennés. C'est possible de faire des colorations ton sur ton et de cacher les cheveux blancs avec du henné. Je suis présentement à la recherche de salons de coiffure à Québec qui sont spécifiquement que bio, avec des produits naturels pour soigner, traiter, réparer les cheveux. Je suis à la recherche de ça à Québec. Alors, si vous avez des contacts, je sais qu'il y en a beaucoup en France, des salons de coiffure comme ça, mais à Québec, au Québec aussi, ça, je suis un petit peu moins au courant. Alors, si vous êtes au courant ou si vous avez des amis qui ont des salons de coiffure avec des produits naturels, bio, laissez-moi-les dans les commentaires, je suis intéressée. Ça va me faire plaisir de leur donner une petite visibilité à ce niveau-là. J'aimerais ça leur parler. Puis, je vous invite à cliquer j'aime sur la page Facebook Départ Nature et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À demain, bye bye!